Tout le monde, j'espère que ça va. Comme prévu, du coup, je vous fais la vidéo de présentation de mes affaires avec beaucoup beaucoup de retard, désolé. Parce que c'était la vidéo, c'était pour les 1K de bah, tout presque 2K, mais c'est pas grave. Alors, dans cette vidéo, il y aura la présentation de tous mes tapis et tout, présentation de mon sac de pansage et d'autres trucs, présentation de ma malle. Du coup, on va commencer avec mon licol. Alors, c'est un licol simple. En fait, de base, il est. Du coup, j'ai rajouté des moumoutes. Mais sans les moumoutes, il est pas stylé. Il est pas très beau. Il est comme ça. Donc, il est bof, quoi. Alors. C'est un licol de chez. J'en ai aucune idée d'ailleurs. Ça doit être un licol. C'est un licol de Ectem. De chez Pads. Ça, c'est une longe. Elle date. Parce que c'était pas à moi avant, c'était à ma grande cousine. C'est une longe de chez Decathlon. Donc, ok. Un mousqueton sécurité comme ça. Même si je sais que je l'enlève souvent par erreur. Alors voilà, c'est une longe bleue, ça va avec mon école, voilà, super cool. Ensuite, mes étriers. Du coup, c'est des étriers compositiques. Mais je vais en avoir d'autres la semaine prochaine pour mon anniversaire. Parce que, genre, il y aura ma famille et tout, donc voilà. Donc, des étriers bleus, compositiques. Désolée si je touche, je suis malade. En étrivière, j'ai des étrivières en cuir de chez Decathlon. C'était Fukenza, du coup, genre logique. De toute façon, je vais en changer aussi parce qu'ils sont pas top. Ça va faire un an que je les ai. Ensuite, on va passer. Je sais pas trop quoi. Je pense qu'on va passer au tapis. Let's go. On passe au tapis, on va ouvrir la malle. Qui veulent savoir elle est comment, voilà, c'est pas moi qui a voulu prendre le truc dessus, c'est le bordel. Alors juste il y a des tapis qui sont au lavage, donc voilà, de base j'en ai plus parce qu'ils sont, en tout cas, ils sont vraiment sales. Ok, donc on commence. Le premier que j'ai eu, il est tout sale, hein, faut que je le lave. Parce que Isidore, il s'est roulé avec à la boîte. Voilà, c'est un licol. Je l'ai eu à 41€ chez Pads. C'est un item du coup. Il est tout sale. Il est noir avec coupé sport, avec des petits trucs gris et blancs. Ensuite, on a un tapis noir Decathlon avec des petits strass des deux côtés et gravé mon nom dessus en blanc. C'est un Fukenza à 25€. Ensuite, on a le beau tapis Centre-Val de Loire. Beau tapis Centre-Val de Loire, du coup. Avec du coup genre il est bleu avec les petits trucs jaunes bleu et vert, la bordure, il est trop stylé. Il est grand mais il va à Romani et à Elvis, ça lui dépasse un peu mais ça va. Et de l'autre côté on a ça du coup, c'est magnifique. Ensuite on a le tapis de la Grenade, il est sale aussi, faut que je le nettoie. En même temps c'est Elvis qui salit tous mes tapis. Alors aux couleurs du club, voilà, c'est gravé des deux côtés. Voilà, rien de plus à ajouter, même s'il est merveilleux. Mes amortisseurs, j'en ai que deux, mais alors on a un blanc, c'est la base, le blanc, mais il se salit d'une vitesse. Voilà, c'est tout sale. Ensuite, on a un amortisseur marron. C'est mon premier amortisseur. Je l'avais commandé en gris. Je l'ai reçu en marron. C'est super cool. J'aime pas trop la couleur. J'aime pas du tout la couleur. Mais
Je pense que je vais le reprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le filet. Ah tiens, on va vous montrer les bonnets aussi. Alors, j'ai un bonnet Centre-Val de Loire que j'ai acheté. C'est déjà porté, c'était à une... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quelqu'un qui le vendait, voilà. Du coup, il va avec le tapis. Ensuite, désolé, on a lui qui allait avec, qui va avec mes deux tapis noirs. Je l'ai acheté à 25€, c'est un lamicelle. C'est basique avec les trucs noirs. Gris, pardon. Argenté. Ensuite, troisième et dernier bonnet. C'est un bonnet que j'ai acheté, que ma grand-mère elle a cousu en bleu. En orange. Je l'avais acheté pour la mode. Voilà. Il est trop beau. Désolé, c'est mon chat, il m'a dit. Ensuite, on a ça que j'avais acheté. C'est pour muserolles croisées que vous verrez après. Parce que, en fait, je l'avais acheté, sauf qu'il y a déjà une muserolles croisée. D'ailleurs, si vous avez des idées, parce que, genre, j'arrive pas à enlever déjà la moumoute qui a sur la muserolles croisée. Donc, voilà, si vous savez comment on fait. Passe au filet. Déjà, j'ai un sac Fugenza à 10€. C'est pas cher du tout. Mon chat, il pète un peu. Voilà, on va passer à mon premier filet. Lui, c'est le filet que je mets à Romani. Je le mettais à Isidore l'année dernière. Hop. C'est Décathlon. Je disais, c'est un Décathlon. Avec rennes de couleur. J'aime pas du tout les rennes. Voilà, ils sont dégueulasses. C'est horrible. Ah. Là, j'avais un nosebleed, mais je l'ai enlevé pour Romanie. J'aurais passé tout mon temps à tousser. Donc voilà, c'est un filet marron. Voilà. Rien de plus à ajouter. Ensuite, on a... du coup, on a une robe croisée pour Elvis. Je l'ai eu à la motte pour 20€. Voilà. Du coup, Elvis, il a besoin d'un réel vert. Donc, je vous montre le mort. Ça, avec les deux très bizarres. Les deux... voilà. Je sais pas comment dire. la cordelette pour le mar. Du coup le croisé c'est voilà. Alors du coup j'ai une question, si vous savez comment on enlève ça là, parce que je sais pas comment on fait, parce que j'aimerais l'enlever du coup pour ajouter celle là Voilà, rien à dire. Du coup, faut que je me trouve des rennes. Parce que je n'ai pas encore acheté. Voilà. C'est tout. On va passer à ma bombe. Alors, c'est une Choplin. Je sais pas comment ça se dit, Choplin. Ouais. Je l'ai eu pour Noël. Avec des strass des côtés. Putain. Avec des strass sur les côtés. Et c'est tout. Ça s'accroche comme ça. Genre là c'est gris. Voilà, c'est réglable derrière. Ensuite,
Ma crush, c'est une wipe and go. Je sais pas trop comment ça se dit. Elle est en gel. Elle est en gel et j'ai trop le seum parce qu'elle est cassée. Je suis triste parce que je l'ai payé 14 euros. Et elle a un trou. Je sais pas comment on fait. Eh ben vas-y. Mais mon chat qui est en train de gueuler. Bref. Voilà. C'est tout. Je l'ai acheté à Pads. Qu'est-ce que je peux... On va passer à mes guêpes. Je les ai mis dans un sac pâte parce que je ne les ai pas lavées depuis le dernier conseil. Je vous présente. Ça, c'est pas bon. Ah, faut que je les nettoie. Alors... Faut que je les nettoie absolument. Parce qu'ils sont encore mouillés. C'était pas une bonne idée de les mettre dans un sac en plastique, je le savais. Oh non, pitié. Ça a explosé. Alors on en parle qu'il y a des poils de Romanie dedans. Ou pas. Voilà, c'était des Norton. Moumoute. J'aurais pas dû prendre Moumoute. Trempé de sable aussi, je sais pas si c'est un détail à dire. Taille Shetland. Parce que la dame de Pat, elle m'a dit de prendre taille Shetland et tout. Ça fait longtemps que je les ai. Je les avais... Aïe. Je les avais achetés... C'est ma tante qui me les avait achetés parce que j'avais réussi à passer mon galop. Donc voilà. On va pas ajouter d'autres trucs en plus. Qu'est-ce que... On me parle que j'ai mon colo concours là-dedans. Ensuite, il y a quoi là-dedans? Mon tri américain en gel, qui est aussi cassé parce que j'ai trop le sel. Je perds le sel. Ensuite, ah, on a mes protège boulot. Voilà. C'est des protège boulet Norton, pas Moumoute cette fois. Parce que j'ai pas trouvé Moumoute. Donc c'est taille poney. J'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Des protège boulet noir. Alors, ensuite, mon filet à froid. Alors. C'est le 29, on se voit. Oui, bah si, c'est dans une semaine. Aïe. Alors, oh non, il est emmêlé. Non. Non. Putain. En fait, je viens d'apprendre que je filmais pas. Mais bon, je viens de réussir. Du coup, j'avais réussi à l'ouvrir. C'est un filet à foin normal. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fout, mon chat? Ouais, bref, du coup, bah, c'est un filet à fond de ses pads normal noir que j'ai gagné un concours. À la fin de la vidéo, il faudra que je vous parle parce qu'il y aura un partenariat avec ma cousine qui fabrique des bonbons pour chevaux. Il y aura un code promo et tout. Je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo, même si j'aurais dû en parler au début. Mais chut. Ensuite, on en parle de ça ou pas? Alors, j'étais à la botte et j'ai craqué 12 euros pour ça. Mais je m'en fous. En fait, on devait remplir un seau et tout, genre. Putain. Non, mais super. Oh. Je vous en parle. Ça sent trop bon. J'avais pris plein de bien-être pour mon poney parce que, genre, il est vieux. Et tout, donc j'avais pris plein de bien-être parce que vous connaissez les vieux. Check. Enfin, il est vieux, genre, parce
parce que là j'ai changé de poney. Alors on passe au sac de passage et là on va rigoler. Alors si la vidéo elle fait plus de 1 heure, on s'en fout. Hein. Alors, on a ça. Pitié, c'est le meilleur cure-pied, je l'ai gagné au dernier coup. Je l'ai gagné au dernier concours. Genre, il est magnifique. Merci Romain de m'avoir fait gagner le cure-pied. Ah, merci. Ma brosse à crin en gel. Une brosse à crin. Pour brosser des crins. La logique d'une brosse à crin. Voilà. Ok. C'est le bordel de ouf. Un bouchon Fugenza. Un bouchon Fugenza. Ça c'est une pierre pour enlever les tasses sur les blancs. Il n'y a pas qui a fait que de s'enlever, c'est relou. Putain. Si vous arrivez à la voir avant la fin de la vidéo. Bref, elle est comme ça de base, ça se tient avec ça. Pourquoi ça tient pas? Aie pitié de moi. Il veut ma mort ce truc. Je trouve que ça va pas marcher. Ouais bon, c'est pas grave, vous avez vu un peu le détail. Bref. Magic brush hypotonique. Voilà. Alors, du coup, ensuite. Ah, les guêtres. Hop, du coup, on termine. C'est parce que genre j'avais arrêté, parce que voilà. Du coup, je reprends une étrille en caoutchouc. Banal. Que j'ai acheté à Pads. Ouais, voilà. Ensuite, on en parle qu'on a. Ah, mon noiseband il est moisi. Pourquoi mes trucs ils sont moisis? Mais je sais pourquoi. Parce que j'ai brossé mes trucs et je les ai pas. Dégueulasse. Ok, j'ai un cure-pied. Ensuite, j'ai une brosse pad qu'il faut que je nettoie parce que elle est moisie. Ensuite, j'ai peur que mon démêlant il soit moisi. On a un démêlant qui est pas moisi. Un démêlant de chez Decathlon. Ensuite, on a une brosse. Elle est pas moisie. Ok, on a une brosse à massage noire paillette de chez Decathlon. Pad, pardon. C'est bon, on continue, elle est pas moisie. On a une étrille en plastique de chez Decathlon. Pour continuer, j'adore ce truc. Un rasoir, désolé, c'est ma meilleure pote qui appelle ça comme ça. D'ailleurs, Kenza, si tu passes par là, bah, on pense à toi. C'est un rasoir pour enlever les poils, du coup. On va essayer sur. Il y a assez de poils comme ça, je pense. Vu qu'ils disent que mon poney il est au carnaval. Je sais pas, ça enlève des poils en gros. Ça enlève les poils morts. Bref. Ok. Et mouchine. Mais j'ai trop le seum parce que genre il y a mon éponge quelque part par là qui traîne. Et elle est tombée. Du coup bah maintenant je dois l'appliquer au doigt les mouchines. C'est désagréable. Sachant que mon poney il aime pas ça du tout. Ensuite, let's go tout remettre. Non, en fait, je vais laisser ça dehors parce que mon père, quand il va revenir, je vais pouvoir lui montrer ce qu'il voit. Et il va faire quelque chose. Oh, tiens. Tiens. Le meilleur ami de mon poney. Liquide. Alors, on a du liquide à la carotte, du liquide à la cerise, du liquide à la pomme et du liquide à la banane. De base, j'en avais à la menthe, mais je crois que c'est là qui aime trop ça. Après, je dis ça, je dis rien. Mais elle dit si tu passes par là, bah, on pense à toi. Oh, j'ai plus de place. Oh, j'ai quoi d'autre à montrer? Ça, c'est un pantalon du concours. C'est des trucs trop chelous dans ma. Ah, tiens. Liquide à la carotte. Ça fait pas mal. C'est du liquide à la carotte que j'ai acheté 6 euros et quelques à Pad.
Voilà. Mon poney, il adore ça. Continue, en plus, on était à où? Mon petit chat, il nous a rejoint. Voilà, pousse ça. Maman, fille. Moi. Bon. Graisse pour cuire. Alors, c'est de la graisse de chez Decathlon. À 250 millilitres. Je suis trop pressée. Alors, elles sont l'amande. Santé. Ça sent bon. Voilà, comme ça vous voyez la texture aussi. Voilà, c'est bon, c'est bien. Ensuite, j'ai un couteau de chaleur de chez Pads en gel qui m'a coûté 8,99€. Il est gris. Et lui, il n'a pas percé, c'est un hypotonique. Bon, c'est trop de bordel. Hein. Il me reste quelque chose, il me reste pas beaucoup de choses. Que, voilà, j'ai ça. C'est pour nettoyer mes chaussures. Attends. Celle-là, c'est pour nettoyer mes guêtres. Je vais la mettre là. Et à mon avis, ils vont bien besoin. Celle-là, c'est pour nettoyer mes chaussures. Mmh. Celle-là, c'est pour nettoyer. Ça, c'est du cirage. Pour nettoyer mes chaussures. Ensuite, oh, cette éponge. Vous allez vous dire que c'est une éponge comme les autres, mais c'est pas une éponge comme les autres. Je l'aime, cette éponge. Marie-moi. Voilà. J'adore cette éponge, c'est l'éponge de la mode. Je vais la garder dans ma chambre. Du coup, je vais la plier. Là. Ensuite, c'est la Delipit que j'ai acheté à la mode et que je vais utiliser un jour. Mais voilà, parce que je l'ai toujours pas utilisé depuis le temps. Ensuite, on a une brosse. Alors, c'est une brosse pour la douche. En fait, tu mets, tu l'ouvres. Ouais, tu mets du shampoing dedans. Après, ça dépend la taille du poney. Tu peux mettre ça dedans, ça ou ça. Et surtout, ça dépend quelle partie tu douches. Par exemple, tu peux mettre ça de savon si tu... Voilà, ça dépend. Et après, là, c'est les graduations du haut. Ensuite, du coup, faut appuyer. Pour, et après le shampoing il va sortir la mousse elle va sortir par là et après on va brosser pour laver le poney. Ensuite ensuite on a un stick de chez Decathlon qui m'a coûté 5€. Il fait 90 cm et puis voilà, c'est un stick banal. Ça fait mal. Bon, ensuite, j'ai un gog. Il me sert parce que bon, voilà, bref, c'est un gog. Attendez, je suis perdue. Mais j'en ai marre, il ne sert à rien en plus. Il m'a servi une fois dans ma vie. Ensuite, des bonbons chevaux. Voilà. C'était le cadeau d'anniversaire de Zita. Mais donc maintenant on va tout ranger. Voilà. Du coup, faudra que je nettoie mes guêtres. Je viens de remarquer et je le ferai peut-être avec vous dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez. Déjà si vous êtes jusqu'à là, bah, si vous êtes arrivé jusqu'à là, mettez un emoji. Mettez un emoji cheval dans les commentaires s'il vous plaît. Merci. Alors.
on en parle de mes tapis. Bref, du coup, on va ranger mes tapis. Let's go. On range mes tapis. On commence par le Layana moche. Enfin, moi perso, j'aime pas. Ah, alors, du coup, c'est pas très pratique de filmer à une main, donc on va poser le téléphone. Non, c'est pas. Ah, attendez. J'espère que j'ai rien cassé. Bon, du coup, on va. Aïe! Du coup, on va le plier un peu comme ceci. Ensuite, on va les ranger comme ça, genre. J'ai pas besoin de foutre le bazar à chaque fois que tu peux ranger. Ensuite, du coup, on va ranger les guêtres et les prothèses poulet, même si j'ai pas trop envie de toucher à mes guêtres. Parce que voilà. Alors, je vais tomber dans mon bouchon. Non, pareil. J'ai pitié. Vous savez quoi, on va la nettoyer. Je vais chercher une éponge, je reviens. Si on peut dire la vérité, j'ai demandé à mon père d'aller me la chercher. Il m'a dit non, parce que t'as dit je vais chercher une éponge. Ah, ils vont devenir peut-être propres un jour. Oh, je penserai jamais qu'ils étaient devenus à moitié propres. En tout cas, on voit la vraie couleur. Hein. Faut que j'aille rechercher une éponge. Alors, c'est tout sale. Ça me dégoûte. Mon poney, pourquoi tu sales tes guêtres? Romani, tu n'es pas très gentille. Est-ce que ça devient noir? C'est déjà bien. Bon, ensuite, on va pas y toucher plus. On va attendre qu'il soit à peu près sec. J'en ai nettoyé qu'une. C'est la vérité parce que j'avais la flemme de nettoyer la deuxième. C'est elle, au pire, je vais juste la rincer. Ah, ça me touche. Ça me touche du genre, j'ai touché à mes guêtres, quoi. Pas, ça me touche. Mais bon. Voilà. La véritable vérité des cavalières quand leur poney leur bave dessus. La plupart s'essuient sur le. La plupart ils s'essuient sur le pantalon. Des fois les autres c'est sur le poney. Bon, perso, je fais les deux. Ensuite, les poneys on les rend direct. Les. J'ai perdu l'éponge. Hop. Ensuite, très bien, ça on va les ranger ici. Alors, pour l'instant, c'était bon. On en parle de ça, du coup, je vais le mettre où? Hop. On ne pense que tout tourne sur la caméra ou pas. Ensuite, on va ranger mes deux magnifiques cure-pieds. Même si j'ai une petite préférence, en fait. Voilà. Hein. Je sais pas si vous savez pour lequel j'ai une préférence. Merci Romani de m'avoir fait gagner un cure-pied qui est magnifique.
on en parle que je l'avais pendant le tour d'honneur. Alors ça, vous allez vous demander ce que c'est. C'est pour percer des trous dans le cuir. On choisit sa dimension. Et puis on appuie. D'ailleurs, j'en ai fait sur ma livre le croisé parce que la vis, il a une petite tête. Ensuite. On va ranger le liquide. Le rasoir. Ah non! Le démêlon. Ouais, ça m'a pité dans les mains le truc. Pite, démêlon. Je suis désolée, les gens. Désolée pour cet épisode. Ensuite, voilà, hop, on ferme. Ah! Ça tombe! Voilà, dans mes étrilles. Oh. Ensuite, on va ranger ça. Il me faut sa congélation. C'est bon. Ouais, ma graisse. Bref. Hop, on la balance. La balance et la mettre, c'est la même chose. Ensuite, la pâte à métal. Pourquoi mon chat vient de taper un sprint? Non, mon chat. Ok. J'utilise mal mon poney. Mais on me dit que mon poney il est au carnaval quand je le mets de l'école. Il est beau, non? Alors, c'est vrai qu'il est très monté, hein. Mais c'est une réduction. Hein. Je l'ai eu à 17 euros, il est 43 euros. Pas de déstockage de la boîte. Bref, ensuite on va ranger ma belle bombe qui est pas très belle. Si, en fait elle est belle. Ça va. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ranger? Ah, tiens, on va ranger tout ce bordel. Oh non, j'ai pas rangé ça. Laisse tomber, je vais le mettre en vrac. Non, allez, là, je vais ranger un petit peu. Voilà. Du coup, on va avoir du courage et puis on va ranger ça. Ici, je vais déjà essayer d'enlever ça. Je sais pas si ça se colle avec de la super glue. C'est impossible. C'est incollable. Il y a des bruits bizarres dehors. Bon, allez, c'est pas grave. Il y a une engueulade. Il y a une embrouille dehors. Attendez, je vais demander à mon père. Prochain short, je ferai un short de 60 secondes et je changerai la moumoute parce que c'est horrible. Oh, oups, j'ai fait une connerie. Oh, merde, tout est réglé. Mince. Ensuite, on rajoutera celle-là parce qu'elle est quand même un peu plus stylée. Ça serait plus stylé d'avoir ça quand même. Parce que voilà. Et après, ça fait trop stylé. Et puis ça sera plus agréable pour mon poney. Sinon je la pose juste en vrai. Hein. Je la collerai comme ça les gens qui vendront le. Qui m'achèteront le filet, ben, ils seront. Voilà. Hop, je balance ça comme ça. Ensuite, ça je vais le ranger. Du coup, je vais ranger ça.
Juste, vous restez avec moi pour ranger parce que j'ai tout vous avez dérangé avec moi, donc vous allez ranger avec moi. Oui, je suis en train de parler à la caméra. Où est le problème? Alors. Et en même temps, pour pas que je m'ennuie. Je vous en parle que pour le montage, je ne vais pas galérer du tout parce que j'ai fait que... Si, en fait, je vais galérer parce que j'ai fait 10 000 vidéos. Donc, voilà. On va mettre ça. Le filet là-dedans dans une petite miserole pour Titi Elvis. Ça, il a fini de péter un peu. Ok. Du coup, on ferme dès que c'est fini. Et puis, on reste à la petite poche qui est devant. On va ranger. Si vous vous rappelez des significations des bonnets, on va faire un petit test. Un autre petit test. Lui, il est trop chou ce bonnet. C'est le seul que j'ai qui va à Isidore. Parce que il y a des petites oreilles. Mais j'ai un chou Isidore, je le manque plus. Ah, ça se fond trop dans mon manteau en mode. Regardez. Genre. Ceux qui veulent savoir, c'est un manteau Pénélope. Bref. Voilà, du coup ça je range. Pourquoi c'est mouillé? Je sais pas. Donc genre je vais le ranger. Ensuite. Donc. Hop. Mon fil à fond. Là. Mes étriers. Là. Et cravache stick. Attends, ils sont pas du bon côté. Voilà. On les met là. Et la dernière. Voilà. Non, j'avais dit. On en parle de ça. C'est magique. Genre, je l'ai gagné aussi. En mode, ça enlève la poussière. Orange, et encore plein de trucs à ranger. Bon, ma lèvre pour le balance. Ça, on balance. On en parle de ça ou pas? Attendez, genre, oui, il a fait un truc. En fait, c'est un truc. Genre, il y avait les exposants. Il y avait ceux qui. Genre, c'était trop bien. Genre, il y avait ceux qui vous attendent. Il y avait des trucs en mode. Les stands et tout. Genre. Attendez. Il y avait des trucs en mode avoir gagné. Il y avait. Il y avait le plan. Et il y avait les... comment ça s'appelle? Ah! Non, j'ai perdu le truc, les exposants. Il y avait... AFP, c'est ma chose. Je vais pas tout lire, mais je vais lire que les trucs que je connais. Il y avait Antares, il y a... Non, bah je vais vous montrer. Ce sera plus rapide. Attends. Bon, du coup, genre, il y avait ça en gros. Je vous laisse lire. Je fais vite, mais vous pourrez mettre pause. Ok. Bon, du coup, on ferme le truc, on va voir, parce que j'ai presque plus de batterie, il faut que je vous parle du truc. Ok, aïe. Alors, du coup, on va fermer le truc, la malle. Oups, j'ai oublié mon manteau. Voilà, Et puis du coup on va passer au partage.
partenariat. Let's go. Je me retrouve dans ma chambre pour parler du partenariat un petit peu, parler dans les détails. Mon prochain vlog, ça sera dans moins d'un mois. Ce sera en novembre, je pense. Et c'est un projet avec ma cousine. On va... On va faire un partenariat parce qu'elle fabrique des bonbons pour chevaux. Et ils sont super bons. Enfin, moi, je peux pas le dire, hein, mais mes chevaux, ils peuvent vous le dire. Ce sera un partenariat. Il y aura un code promo et il y aura un vlog pour... comment ça s'appelle ? Ah ! Pour la fabrication des bonbons. Par contre, bien sûr, on cachera certaines scènes parce que sinon, autant que vous faites les trucs par cœur, vous-même, quoi, parce que bon, voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous parler. Le partenariat, il y aura un code promo, bien sûr. Je sais pas ce que ça sera encore. Ça sera simple, de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner si c'est pas encore fait parce que voilà. Et bonne fin de journée à tous. Ciao, bisous.